Qui suis-je? Eh bien, je suis quelqu'un de formation vétérinaire. J'ai fait mes études en région parisienne et au cours de ces études, je me suis particulièrement intéressée au domaine de l'immunologie, la microbiologie, virologie et donc toute la pathologie infectieuse animale. Mais au cours de ce cursus, bien sûr, on s'occupe essentiellement de la santé animale, mais évidemment aussi de l'interface de cette santé animale avec la santé humaine. Et en quatrième année, à l'époque, nous avions un cours sur les zoonoses, c'est-à-dire les maladies transmissibles de l'animal à l'homme. On peut y revenir. Et ce cours sur les zoonoses était assuré par un professeur de l'Institut Pasteur, le professeur Henri-Hubert Mollaret, une figure qui nous montrait les zoonoses d'un aspect extrêmement évolutif et montrait en particulier, quand il nous avait traité la leptospirose, il avait fait le tableau clinique qu'on connaissait, mais montrer, questionner en permanence en disant, eh bien ça, on ne sait pas. Comment cela peut-il se transmettre? On sait que l'eau intervient, mais on ne sait pas exactement les modalités, etc. Et de fil en aiguille, très logiquement, quand j'ai eu à faire un choix de sujet de recherche, je me suis centrée sur le sujet de la leptospirose. Qu'est-ce qu'une zoonose? Eh bien, très simplement, dans le milieu médical, on fait une différence entre le fait que la transmission se fait de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal. En fait, pour les vétérinaires, l'homme n'étant qu'une espèce animale comme les autres, finalement, on parle de zoonose, quel que soit le sens de la transmission, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les zoonoses, il y a des zoonoses que l'homme transmet à l'animal. Alors, ces zoonoses infectieuses en particulier sont dues à des bactéries ou des virus. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi quelques zoonoses parasitaires, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et qu'appelle-t-on une zoonose infectieuse? Que signifie infection? Infection signifie que un agent pathogène est apte à se multiplier chez un autre. L'infection, c'est vraiment cette multiplication dans l'autre qui va se développer. Si l'infection se développe dans un autre, on va dire que l'espèce de l'autre est réceptive à l'infection. Toutes les espèces infectées sont réceptives à l'infection, mais ce n'est pas pour autant que toutes développeront des signes cliniques ou seront malades. Donc, en fait, dans les espèces réceptives, vous en avez qui restent infectées silencieusement et d'autres qui, au contraire, vont développer des signes cliniques et seront malades. C'est ce que l'on appelle à ce moment-là des espèces sensibles. Dans ces zoonoses, la leptospirose fait partie de ces zoonoses. Et comment se contracte-t-elle? Eh bien, il va de soi que, au cours de l'infection de l'hôte, il y a multiplication de l'agent pathogène dans l'organisme. Et la première porte d'entrée dans l'organisme, c'est le niveau cutané ou muqueux, en particulier dès qu'il y a une micro-lésion de cette première barrière de l'hôte. Et cette micro-lésion va être facilement pénétrée par les leptospires qui se trouvent dans ce que l'on appelle les matières virulentes. Et les matières virulentes sont des matières qui sont émises par les animaux infectés.
On va donc retrouver dans les matières virulentes le sang, puisque c'est le site de multiplication primaire essentiel des leptospires pathogènes dans un hôte. Et ensuite, au cours de l'évolution, il va y avoir diffusion dans tout l'organisme et en particulier diffusion vers les rats. Que l'espèce soit simplement réceptive ou éventuellement malade, il y aura toujours colonisation des rats et donc toujours les urines de cet hôte infecté seront des matières virulentes qui vont de ce fait disséminer vers l'extérieur l'agent pathogène qui se retrouvera par exemple dans l'environnement. Donc la contamination se fait à partir de ces matières virulentes et plus particulièrement les urines. Les leptospires sont des bactéries très particulières, c'est certain. D'une part, par leur morphologie. N'oubliez pas que ce sont des spiroquettes, c'est-à-dire des filaments spiralés, extrêmement fins. On a l'habitude de dire qu'une bactérie est arrêtée par des filtres de 0,22 micromètres. Et les leptospires passent à travers les filtres de 0,22 micromètres. Ils sont donc extrêmement fins, en tire-bouchon, une morphologie qui les aide complètement à pénétrer dans l'organisme et à retrouver un vaisseau sanguin à la faveur d'une contamination. Ils ont par ailleurs une structure complexe, extrêmement complexe, avec une enveloppe, et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a deux flagelles qui leur donnent une mobilité tout à fait particulière. Et de ce fait-là, quand ils sont dans le torrent sanguin, ils ont une mobilité extraordinaire qui leur permet d'échapper aux monocytes sanguins, déjà, et par ailleurs leur permet de diffuser dans tout l'organisme et donc d'atteindre tous les organes, ce qui explique l'extraordinaire panel clinique des leptospiroses. Ils sont extrêmement mobiles dans un milieu liquide. Par ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, les matières virulentes par excellence sont le sang, s'il y a extravasation, et surtout les urines. Donc en fait, la mobilité extraordinaire des leptospires est préservée par les milieux liquides. Ils se cultivent parfaitement en milieu liquide, beaucoup plus difficilement dans des milieux solides. Et c'est assez exceptionnel de les voir se développer en gélose, contrairement à d'autres, aux bactéries classiques. Donc, l'eau, les milieux liquides sont la clé de l'épidémiologie des leptospiroses. Ils se retrouvent dans des urines. Les urines elles-mêmes sont émises dans l'environnement, et environnement aqueux, elles vont être diluées. Que deviennent les leptospires dans ces eaux diluées, sans nutriments, à des températures extérieures qui peuvent être très variables? Eh bien, dans les eaux de surface, les leptospires sont capables de résister pendant des temps très long. On a pensé à un moment donné que des températures froides, parce que il est très difficile de les, contrairement à d'autres bactéries, on ne les conserve pas en congélation dans des températures classiques de congélation. Ils sont détruits par la congélation. Donc, on pensait que, comme c'est en plus une zoonose qu'on trouve en zone préférentiellement active en zone tropicale, on pensait que la température, une température de plus de 20 à 30 degrés, était indispensable à leur survie dans le milieu extérieur. Eh bien, non, ils survivent aussi bien dans des eaux à 4 degrés,
Pas tout à fait aussi bien. Ils survivent très longtemps dans des eaux à 4 degrés comme dans des eaux à 30 degrés. Et dans des eaux à 30 degrés, ils peuvent survivre plus d'un an et demi, voire même 2 ans, tel que nous l'avions démontré dans une expérimentation où nous les avions simplement, nous avions pris une souche pathogène que nous avions inoculée dans des eaux minérale, non pas qu'il y ait un risque par consommation des eaux minérales, mais simplement parce que des eaux minérales sont très absentes, n'ont aucune matière organique qui leur permette de survivre. On ne connaît pas de sporulation. La sporulation des bactéries se fait quand les bactéries se dessèchent. Les leptospires, c'est l'inverse. La préservation de leur virulence se fait dans des milieux humides et pendant des périodes extrêmement longues, puisque au moins le temps de l'expérience, c'est-à-dire pratiquement 2 ans, une souche ictéro-hémorragiée est restée vivante, a survécu. Je ne dis pas qu'elle se multiplie dans les eaux douces, je dis simplement qu'elle survive dans les eaux douces et que non seulement elles survivent, mais elles préservent leur virulence, puisque ces souches réisolées d'eau douce étaient capables d'induire la mort sur le modèle expérimental que nous avions utilisé. Il va de soi que ces caractères épidémiologiques particuliers des leptospires vont conditionner complètement l'exposition des hôtes, que ce soit des hôtes réceptifs ou des hôtes sensibles. Et au premier rang desquels, bien sûr, on va se préoccuper de l'exposition de l'homme. À partir du moment où les milieux hydriques sont des milieux de conservation des leptospires, il va de soi que les activités en rapport avec des milieux humides, des eaux, des effluents vont être des activités d'exposition au risque. Mais il ne faut pas négliger non plus le volet animal porteur réservoir et en particulier on avait évoqué les rongeurs et rats qui peuvent contaminer, recontaminer les sources d'eau en permanence. Donc, il y a le vrai risque épidémiologique va se faire soit directement au contact des animaux excréteurs urinaires, soit au contact des eaux souillées par les urines de ces animaux excréteurs, que ce soit des animaux de la faune sauvage ou que ce soit des animaux domestiques. Donc on va avoir des expositions qu'il faut pondérer, bien sûr, en fonction des conditions climatiques et aussi en fonction de la charge animale qui se trouve dans le milieu. Évaluer un risque, c'est toujours extrêmement difficile. Et pour l'évaluer, je crois que le mieux est bel et bien d'avoir connaissance exactement des modes de transmission et de la manière, des possibilités que l'on a d'empêcher cette transmission. Alors, bien évidemment, empêcher la transmission quand on sait qu'on est en contact avec du matériel virulent, des simples protection mécanique, hygiénique permettent d'éviter de se souiller, mais il va de soi que pour certaines activités, on est automatiquement en contact avec l'urine des animaux, comme par exemple dans les égouts, et c'était bien la raison pour laquelle, historiquement, le premier vaccin contre la leptospirose avait été institué à l'Institut Pasteur pour lutter contre la leptospirose qui était vraiment une zoonose grave pour tous les égoutiers de la ville de Paris. C'est l'historique même de ce vaccin.
Pour le volet animal aussi, dans certains cas, on est amené à vacciner parce que, bien sûr, pour les animaux, ils sont, en fonction de leur mode d'entretien, ils sont très souvent en contact avec du matériel qui peut être contaminé par l'urine des rongeurs, des hérissons, etc. Donc, dans certains cas, pour les ruminants, pour les porcs, on peut être amené à instituer une vaccination. Par contre, il existe une espèce que tout le monde sait être extrêmement sensible à la leptospirose, c'est le chien. Le chien est une espèce extrêmement sensible et la leptospirose est facilement létale dans cette espèce, ce qui a justifié à peu près d'ailleurs à la même époque que le vaccin humain a été inventé, ça a justifié la création de vaccins contre la leptospirose chez le chien, ciblés contre deux catégories de leptospires. Ah, deux catégories de leptospires. Pourquoi deux catégories de leptospires? En fait, les leptospires sont des bactéries extrêmement complexes et en surface, ils portent des déterminants qui les permettent de les identifier les uns et les autres. Et on a ainsi pu, par sérologie, voir des variétés différentes. C'est pour ça qu'on parle de sérovare. Il existe à peu près 220 sérovares différents. Heureusement, il existe quand même certains groupements communs qui permettent la création finalement de sérogroupes. Et tout le monde connaît un des sérogroupes majeurs, pathogènes majeurs de leptospire, c'est le sérogroupe ictéro-hémorragé, ce qui signifie bien d'ailleurs son tropisme pour le foie, l'ictère, et aussi pour les troubles hémorragiques. Donc, chez le chien, on a institué un vaccin contre ce sérogroupe et contre un deuxième sérogroupe qui est plus invétéré à l'espèce canine, qui est canicola. Donc, le chien est assez régulièrement, généralement, vacciné contre ces deux sérovares ou sérogroupe, ce qui peut être considéré un peu plus large comme protection, une protection un peu plus large à l'intérieur d'un sérogroupe. Il existe d'autres sérogroupes qui sont différents d'ictéro-hémorragie et de canicola. Et malheureusement, la protection est très liée, bien sûr, à la reconnaissance que peut faire le système immunitaire de l'hôte par rapport à tous les déterminants qui se trouvent en surface des leptospires. Donc, si l'hôte a déjà une réponse immunitaire dirigée contre ictéro-hémorragie, on aurait pu espérer que des déterminants soient communs entre tous les leptospires. Malheureusement, la protection est vraiment quasiment spécifique. Je m'explique. Elle est revendiquée spécifique, mais c'est faux. Il existe une part de protection croisée entre les différents sérogroupes de leptospires. C'est particulier. On l'a démontré sur le plan expérimental, mais on peut aussi le démontrer sur le plan statistique. On voit par exemple, et c'est hautement significatif, que des chiens valablement vaccinés contre ictéro-hémorragie et canicola montrent une certaine résistance à des pathologies graves induites par d'autres sérogroupes comme Australis et Grippotifosa. Entendons-nous bien, ce n'est pas une protection aussi parfaite qu'on peut l'attendre avec ictéro-hémorragie ou canicola,
canicola, mais c'est au moins une protection contre les formes graves et en particulier les formes graves rénales. Donc, dans l'avenir, finalement, l'évolution des vaccins devrait se porter de plus en plus sur cet aspect de protection croisée qui est déjà légèrement apporté par les vaccins actuels. Il est évident que quand on a en charge la santé de professionnels, on veut au maximum préserver cette santé et donc estimer correctement les risques auxquels ils sont exposés. Malheureusement, ça va être très difficile et c'est au cas par cas. Quels sont les éléments absolument qu'il faut prendre en compte pour faire une estimation correcte dans chaque cas? Il y a des éléments évidents. Déjà, les protections, les vêtements de protection par rapport au poste de travail. Je prends un exemple tout simple. Dans un abattoir, il va de soi qu'un professionnel qui s'occupe de l'éviscération et en particulier des vessies doit être parfaitement protégé pour ne pas recevoir d'éclaboussures d'une urine potentiellement contaminée. Des points comme ça sont extrêmement précis, relativement faciles à maîtriser dès lors qu'on connaît le danger. Dans d'autres activités, bien sûr, l'estimation du risque est beaucoup plus difficile. Et n'empêche que si vous avez des professionnels qui peuvent être en contact avec des rongeurs sauvages dans des terrassements, des établissements, des vides sanitaires, etc., il peut y avoir effectivement des contaminations occultes qui se passent. Il faut donc essayer d'estimer ces contaminations occultes et de préserver les professionnels de ces contaminations occultes avec des équipements corrects et parfois même peut-être recourir à une vaccination, une prévention médicale. L'estimation du risque, elle est extrêmement difficile et doit toujours se faire au cas par cas. Une vessie de bovin est beaucoup moins dangereuse relativement que l'urine d'un rongeur comme un Rattus norvegicus. Pour une raison très simple, c'est que ces animaux peuvent être porteurs de souches pathogènes, mais qui n'ont pas le même pouvoir pathogène. Les rats sont porteurs d'ictéro-hémorragie et on sait que d'une façon générale, toutes les souches, donc là ça ne dépend pas de l'hôte, les souches d'ictéro-hémorragie sont globalement plus pathogènes que par exemple les souches Arjo que l'on va retrouver chez des bovins ou des souches Bratislava que l'on va retrouver chez des porcs. Donc, outre le contact avec des matières virulentes, il y a aussi des facteurs à prendre en compte, c'est-à-dire les souches elles-mêmes. Et par ailleurs, pour qu'il y ait contamination, on a vu fallait qu'il y ait pénétration de la souche. Mais il ne suffit pas qu'un seul leptospire pénètre. Il faut, comme pour toute maladie infectieuse, il faut qu'il y ait pénétration d'une certaine dose infectieuse. Et cette dose infectieuse, elle est variable d'une souche à l'autre et n'a rien à voir d'une espèce animale à l'autre. Donc ça, ce sont des facteurs inhérents aux souches. Et là, effectivement, c'est extrêmement difficile à maîtriser, mais c'est intéressant de connaître le danger parce qu'à ce moment-là, on peut en tenir compte. Voilà.